Salut Ragon! Bon voilà, aujourd'hui c'est mon tour, on va faire une séance épaule. Donc là, je viens de me lever, il est quoi, 8h30, donc je vais déjeuner. Donc je vous montre ce que je déjeune le matin. Vu que j'ai appris les choses sérieuses depuis 2 semaines et demie maintenant, et ben je vous montre ce que je déjeune. Donc, quand je me lève, qu'est-ce que je fais en premier? Citron pressé. D'accord, bon, de l'eau, hein, bien sûr. Donc, je prends un demi-citron, je le presse dans de l'eau, à jeun, je bois ça. La première chose que je fais, c'est ça. Donc, voilà. Après, ensuite, je prends ça. Protéines. Attends, ils appellent ça, c'est... De chez, bah, chez nous, chez nos sponsors QNT. Hein. Donc, je prends un shaker. C'est Mass 3000, voilà, c'est ça, Mass 3000. Elle est riche en glucides, donc je prends ça le matin. Je prends ça que le matin. D'habitude, généralement, j'en prends pas. Donc voilà. Là, j'en prends parce que bah, je veux reprendre les choses sérieuses. Donc je veux bien manger le matin. Je vais faire ça jusque février. Donc ça fera janvier-février. Pendant 2 mois, je vais le faire. Et après, au mois de mars, j'arrêterai d'en prendre. Donc ensuite, la banane. Ok. Mon glucide, hein. Faut en régler, mais c'est pas grave, c'est le matin. Poulet et pain complet, bien sûr. Donc ça, je l'ai gardé, ma banane aussi. Là, j'ai rajouté du porridge, 3 céréales de chez Björg. Voilà, c'est ça. Bon, je fais pas de pub, ben, je m'en fous. Et un peu d'avoine. Et là-dedans, j'ai mis un liseré de... Merde, de... De lait de soja, voilà, vanillé. Mais là, j'en ai pris un autre, là. Il est pas terrible, ça se mange pas bien. Enfin, bref. Le premier était meilleur, là, je sais pas, c'est un peu sec, quand même. Donc, ouais, ça fait un peu du plâtre. Mais c'est pas grave, on mange quand même le matin. Donc, voilà. Donc, j'ai ça. Je sais pas combien c'est de calories, hein, je calcule pas. Mais j'ai mon apport pour le matin, c'est nickel. Et en plus, ça passe bien. C'est pas trop galère. Et voilà, et avec ça, je rajoute des oméga 3, bien sûr. Voilà, j'ai pas les. Oméga 3 de chez QNT, hein. Le code dragon, hein, si vous voulez, je vous le mettrai en bas. Donc voilà. Donc fini les chips. Les chips. Donc voilà, les gars. Bah, moi là, j'ai fini. Je vais manger, hein. Je vais venir me préparer parce qu'après Newton il va arriver et on se retrouve à la salle. Bon voilà les gars, là je viens de prendre mon booster. Donc c'est les nouveaux, en fin de compte c'était un ancien qu'ils ont ressorti. Donc Hydravol, celui-là est vraiment top. Donc voilà, j'ai pris goût citron. Donc voilà, et là amino. Donc pour ma séance, moi je prends toujours avant et après. La BCA, et maintenant qu'il y a l'amino, et ben je vais le prendre pendant. Donc voilà, tout simplement. Donc c'est là-dedans. Donc c'est parti. Bon, dis-nous, qu'est-ce que tu fais là? Bon, là je finis de m'étirer parce que j'ai fait les jambes hier, j'ai vraiment mal. Donc je finis de m'échauffer là, je vais chauffer le haut. Et on part pour les épaules aujourd'hui.
Donc là, première exo, back overhead press, d'accord. Donc si vous n'êtes pas à l'aise derrière, ne le faites pas derrière, faites-le devant. Et là, je vais mettre beaucoup moins lourd. C'est un truc que je fais depuis un petit moment là, j'aime bien, donc je commence par ça. Et donc voilà, simplement c'est parti. Ça va me mettre trop lourd, bien sûr. Donc voilà, 6 séries. Ne vous inquiétez pas, au bout de la 6ème série, j'en aurai. Tu fais quoi comme exo là? Ah c'est vrai, j'ai pas encore dit. Donc shoulder press, dumbbell donc halter. Donc là je vais passer au 40, série de 8. Et après je vais voir si je me sens chaud. Mais c'est 40 à 46, donc pour les épaules 46 ça commence à faire lourd. Ouais, parce qu'il y a pas... Y a... peut-être une série, mais pour l'instant on va voir. Comment je suis au 40? Il y a pas les 42 ni les 44 ici. Ouais voilà quoi. Et tu prends combien de temps de récup là? Je prends 2 minutes. De voir 2,30 comme maximum. Parce qu'il pousse lourd. Ouais. Bon les gars, c'est tout, je vais essayer le 46 pour vous. Et pour ça les gars, mettez un pouce bleu. Et je suis même pas sur les lever. C'est en fin de compte la galère, c'est de les lever tout seul. Parce que donc, je suis voilà, pas là pour Newton, l'aider. Voilà, Nuke Newton il est là. Et là, voilà. Et comme je dis, si tu lèves pas un poids, et bah ça sert à rien de faire des séries avec. Donc je vais essayer à 46. Je vous promets rien en plus, ça fait longtemps là, ça fait que 3 semaines vraiment que je m'y remets. Donc on va voir. Normalement je pense que je vais peut-être le faire quand même. Les excuses. Ouais, putain, je suis en train de flipper, tu sais.
juste en plus boule, je m'éclate la tête. C'est quoi le programme? Latéral raise, élévation latérale les gars. Donc on met la chaise. Donc on peut vraiment pas tricher. Et je vous le dis, là je suis à 9 kg, je vais rester à 9 kg. Je vais faire 6 séries de 10. Et voilà, ça suffit carrément. D'habitude, on va dire en libre, je peux monter assez haut, voire jusqu'à 20, quelque chose comme ça. Mais là je vous le dis là, 9 kg ça me va très bien. Et là le temps de récup, il est. Temps de récup, voilà, là on a redescendu, on est à 1,30. De toute façon je vous le marquerai en bas. Hein. Donc 1,30 et on enchaîne. À la fin de ça, on aura une bonne cogestion. Donc là tu vas faire un exo de poussée. Ouais, c'est le dernier là. Donc je fais la barre droite, hein, normal. Je vais faire des séries de 10, je vais en faire 6. Donc pour l'instant je reste à 40, et après je verrai. Mais je vais assurer à 40, parce que c'est vraiment le mouvement, c'est pas de la force. La force j'ai fait bien avant. 6 séries, pas charge effective. Si. Je commence direct à ce poids là. Moi j'avais fait une de chauffe avant, mais bon. La barre à vide donc à 20, et puis là direct à 40. Là, c'est vraiment du mouvement. Arrière d'épaule. Donc, série 12, 5 séries. J'ai pris 12 kills. Donc, c'est une charge moyenne, on va dire. C'est parti. Ça laisse fermer, laisse ouvert. Alors, donc là, c'est le mouvement que beaucoup me disent, ne le faites pas, ça sert à rien. Et ben si ça sert à rien, moi je le fais. C'est Arnold qui le fait. Voilà. Moi je vais pas dire parce qu'Arnold le faisait, il faut le faire. Et voilà. Et après vous irez, vous verrez. Je vais au-dessus des 90. Parce que j'ai envie de le faire tout simplement. Et ça me fait pas mal, j'ai pas de gêne, j'ai pas tout ça. Si j'aurais une gêne, je le ferais pas. Mais moi je l'aime bien cet exercice, il est bien. Donc je le fais, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas un exercice qui sert à rien. Tant que ça travaille musculairement, point, à la ligne. Donc voilà, après si vous avez un avantage sur l'avant, voilà quoi, c'est une finition, c'est pas non plus. Hein. Enfin bref, voilà, si vous avez envie de le faire, faites-le, tant que vous avez pas mal.
Alors prenez le mousqueton. Vous mettez la tâche. Sur la tâche. Ensuite, vous retournez. Vous mettez le mousqueton sur la tâche. Voilà. Likez, partagez. Abonnez-vous. Faites tourner à vos amis. Voilà, c'était le tuto de la journée. Demain, je vous montre comment mettre ces chaussettes. Allez. Donc voilà là. Je perds cette épaule. Latérale, derrière, on passe derrière. Ok, on fait un de chaque, droite, gauche, gauche, droite. Et après, derrière. D'accord, donc ce mouvement-là, c'est pareil, pas trop lourd. On va bien chercher la sensation. Là, c'est le dernier exercice, donc on fait une bonne finition. Les gars, la séance est finie, donc on va faire un petit point update comme ils disent. Donc voilà, oh, putain. Donc voilà, là c'est approximatif parce que je congestionnais. Donc là, ça fait 2 semaines et demie que j'ai repris. Donc voilà, au début j'avais resséché, là j'ai repris un peu de gras, mais je sens que j'ai repris du volume musculaire, j'ai repris du muscle. Je le sens, puis je me sens beaucoup plus fort. Hein. La preuve, 46 aux épaules. Je crois que j'ai jamais essayé. Et donc voilà. T'as combien de kilos? Donc là, je suis à 80. Ouais, 89, 89,5. J'ai commencé à 87,5. Donc on va dire, j'ai presque pris 2 kilos en 2 semaines et demie. Donc c'est plutôt pas mal. Mais après. Je suis pas de quoi. Regardez. Ouais. Voilà. Là et là. Donc je cherchais pas spécialement à grossir. Mais je vais garder ce rythme-là, donc ça va me faire finir peut-être 91 au mois de fin février peut-être. Donc voilà, et après février, là je commencerai à baisser les glucides, tout ça, pour sécher un petit peu. Et puis après je verrai en fonction de la fin, mais je pense en un mois et demi, j'aurai une bonne sèche pour la fin. Après c'est ce qu'il dit, ça se peut, il va pas monter au-dessus, hein, il en aura marre des gros. Je sais pas, je sais pas. Donc voilà. Voilà, bah, je m'assois un petit peu. Bon voilà les gars, là je vais vous montrer ce que je mange. Donc tout simplement, ici, donc il n'y a rien d'exceptionnel aujourd'hui. J'ai oublié de vous dire aussi le matin je prends des vitamines, tout ce qui est fer, tout ça, parce que je mange pas beaucoup de légumes, ça c'est un gros défaut. Mais voilà, donc là j'ai des pâtes et du porc. Bon, désolé mes frères musulmans, ouais. Le porc, j'aime bien ça, en plus c'est pas cher. Donc voilà. Tout simplement, il n'y a rien de spectaculaire. Comme d'hab, hein, j'ai pas calculé. Les pâtes, j'en mets une bonne portion quand même. Je sais pas combien de grammes, mais bon, j'en ai pas mal. Parce que je fais pas beaucoup de repas, je fais le matin, après le sport. Donc celui-ci. Et le soir. Et je fais une collation à dire avant le repas du soir. Juste ça. Mais généralement, c'est rare que je fasse une collation le matin. Donc je mange bien le matin, je tiens jusque après ma séance de sport. Et après je fais trois repas. Donc deux gros et une petite collation. Et juste si après le post-workout, j'ai pris mes dattes, je prends 3 dattes, un petit peu d'amandes, une poignée d'amandes et une banane, toujours. Donc voilà, donc ça fait quoi un quart d'heure que j'ai pris ça, et là je vais faire mon repas. Donc j'ai quand même ce qu'il faut en termes de glucides.
et protéines. Voilà. J'avais mon checker aussi, bien sûr, après la séance. Donc voilà, tout simplement. Donc oui, voilà, je voulais vous dire aussi, donc, la dernière vidéo, on m'a demandé si vous étiez pour qu'on puisse faire un tip ou quelque chose comme ça, quoi, une cagnotte pour qu'on puisse acheter les Zhiyun Crân V2, il me semble, voilà, pour faire du travelling, hein, tout ça, tout simplement, un stabilisateur. Parce que en termes d'image, ça rend 10 fois mieux. Et c'est vrai que ça, ça nous manquait parce que on en l'avait avant, on a dû le revendre pour acheter d'autres matériels, et puis au final, c'est quand même. Voilà, donc il a 500 € à peu près, quelque chose comme ça. Donc voilà, on n'est pas là à quémander, mais on vous a demandé, vous étiez plus pour. Il y a plus d'avis positifs que de négatifs. Négatif, pardon. Toujours du mal avec ça. Donc voilà, on mettra en bas dans les liens, dans la description. Donc voilà, on le rappellera de temps en temps. Et voilà, donc on ne force personne à mettre. Si vous mettez, franchement, ça fait plaisir. Même si vous mettez 1 ou 2 €, on a un peu plus de 12 000. Donc 12 000 fois 1, vous comptez, bah, voilà quoi. Mais bon, nous, ce qu'on veut pour l'instant, c'est juste pour acheter ça. Et après, bon, peut-être qu'on... Je sais pas si on continuera la cagnotte ou si on fera autre chose, on verra. Pour l'instant, rien que ça serait bien. Donc voilà, si vous avez envie de mettre, vous mettez. Si vous n'avez pas envie, vous mettez pas. Et voilà, pas besoin de nous incendier dans les commentaires ou vous mettre de la merde, quoi. Sans ceux qui n'est pas content, bah, c'est pareil. Il a rien à dire. On le bloque, on strike, on n'a rien à foutre. Donc voilà. Tout simplement. Donc voilà, j'espère que la séance, elle vous a plu. Likez, partagez, hein, comme d'hab. Là, vous avez remarqué, on a ralenti les vidéos. On en est à une par semaine. Et bah, ça nous laisse déjà plus de temps pour faire autre chose. Parce qu'en ce moment, on est en train de faire les maillots. Donc voilà, j'en parle pas plus parce qu'il y a des vidéos qui vont venir et on en parlera justement, ce sera plus concret. Donc voilà, je préfère pas m'avancer. Mais ça va arriver, on nous demande souvent, donc ça va arriver les gars. On va faire ça et on va communiquer ça dès qu'on peut et puis voilà. Ça arrive très prochainement, donc bien avant l'été, normalement. Donc voilà, mais c'est des choses qui prennent du temps. Donc voilà. Bon, je vais vous laisser là. Parce que j'ai la dalle, puis je suis fatigué, je suis KO quand même. Donc voilà, je vais monter cette vidéo et puis nous on se retrouve bientôt. Donc voilà, là on est, quel jour, on est mercredi. Ouais, donc vous avez vu mon physique là. Bon, je suis un peu gros, j'ai repris du poids, mais j'ai pris beaucoup de muscles, je trouve, je le sens. Donc je suis plutôt content. Je pense que jusque février, je vais pas faire, j'appelle pas ça une prise de masse, mais jusqu'en février, je vais m'entraîner encore comme ça. Et à partir de mars, je vais commencer à sécher. Là, je vais chercher à sécher sans perdre trop de muscle. Parce que d'habitude, je fais toujours des sèches en une semaine. Je perds vite, mais bon, je perds du muscle avec. Donc, je vais essayer de garder pour être au top au fibo, quoi. Donc, pour ceux qui viennent nous voir, voilà, quoi. Donc, voilà. Donc, on vous invite à venir, hein, au fibo. On n'a pas encore parlé, mais on sera là du 12 au 15 avril. Donc, c'est à Cologne, en Allemagne. Ceux qui ont la chance de venir, venez nous voir au stand, on est disponible, il n'y a pas de souci, à part si on est parti en vadrouille, mais généralement on est sur le stand. Donc voilà. D'ici là, gardez la motivation, n'oubliez pas que si vous voulez des résultats, il faut s'entraîner, il faut manger, et il faut se reposer. C'est les trois piliers, c'est au moins ces trois-là, d'accord? Et le reste, normalement, est suivant. Si vous êtes sérieux, assidu, vous entraînez dur, vous mangez propre, et vous vous reposez bien, vous aurez des résultats tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et voilà, si vous commencez à stagner, cherchez une autre solution. Après, la stagnation, elle est des fois, elle est difficile à passer, mais de temps en temps, ça va faire... Des fois, c'est bizarre, ça fait des caps. Vous passez un cap, d'un coup, vous allez reprogresser, que ce soit en force, soit esthétique. Hein. Donc, vous allez repasser d'un cap à l'autre. Vous savez pas pourquoi, moi c'est pour l'histoire, je dis toujours, c'est l'histoire des 140 kilos au coucher. J'en ai chié pendant longtemps pour la passer et je sais pas, du jour au lendemain je l'ai passé alors que je faisais presque plus de coucher. Je pense que c'était même du repos que j'avais besoin. Je pense que c'est ça qui a fait la différence. Mais voilà, des fois ça passe comme ça, mais il faut jamais lâcher. Ça c'est sûr, faut jamais abandonner. Donc voilà. Donc les gars, je vous laisse là et je vous dis ça pour vous.